Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa grâce immense. Nous avons comme sujet la parabole des 10 vierges élucidée. Donc, on apprend dans Matthieu 25, versets 1 à 12. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour édification et bénéfice spirituel dans nos chacun. Amen. Comme annoncé, on a parlé de la parabole des 10 vierges. En parabole, sont une histoire qui est cachée en enseignement ou bien en leçon spirituelle. Mot grec qui traduit parabole la même signifie rapprochement ou bien comparaison. Et Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, était prêché en pile en parabole. Il était toujours prend disciples à part pour révéler ces paraboles, les points énigmatiques dans la parabole ça. Et si nous gagnons devant nous là la parabole des 10 vierges, et nous avons commencé par un mot vierge là, vu que c'est parole là qui a parlé. Et permettez-nous de dire qu'une femme dans la Bible là, capable de représenter en l'Église, soit la vraie vigne, qui c'est l'Église Jésus-Christ là, qui a marché avec parole, qui c'est volonté absolue, ou bien la fausse vigne, qui c'est l'Église qui a marché à ensemble de credos, dogmes et préceptes humains. Donc, une femme capable de représenter, ça dépend, l'Église qui est la bonne vigne, qu'on soit tout le capable représenter l'Église qui est la mauvaise vigne. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 6, puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, et en 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, portion ça, les parler d'une femme en réalité qui représentait la fausse vigne, l'Église qui était tuée des millions de chrétiens
et parce qu'il n'a pas adoré même gens avec eux. Et cette femme qui est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, ce qui exprime la richesse de cette église-là, il dit avec elle, les rois de la terre, ils ont livré tête à l'impudicité. Et nous connaissons l'église qui est en pointe dans toutes les nations, donc tous côtés, et l'église qui est mariée aussi avec l'État, la grande. Donc, les représenter la mère prostituée, ce qui est une mauvaise église, une mauvaise femme. L'Apocalypse 21, verset 9 à 12, par contre, il est parlé de l'éclat de la Nouvelle Jérusalem, la femme de l'agneau. Même Jean voit montrer Jean, la prostituée, la grande prostituée, dans verset 9, Apocalypse là, de nouveau, l'ange va montrer à Jean une autre femme, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vains, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, on voit que c'est deux femmes, deux églises, une bonne, une mauvaise. La femme représente beaucoup, dans beaucoup d'endroits dans la Bible, une église. Eh bien, si femme n'a les représenté en l'église, état femme n'a parlé de état l'église ça. Donc, c'est ça qui parle fait que nous parlons en affaire avec des vierges. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, Paul, par le Saint-Esprit, le savant des Saintes Écritures, dans verset 2, plus précisément, à partir du verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, Paul parlait de l'Église, l'a formée pour Jésus-Christ là, de lui comme une vierge pure que l'a présenté à Christ, qui est l'époux de cette église. Oui, donc, Bible a montré nous clairement là, l'église là, son vierge qu'elle est. Ça, à bien temps, fait nous là, mon vierge qui est dans Matthieu 25 là, a parlé d'église, c'est clair. Oui, donc les 10 vierges, 5 vierges sages, 5 vierges folles représentaient deux églises. Parce que nous montrons là que non seulement femmes représentaient l'église en Bible, mais vierges là même parlaient de l'église que Paul, vierge pure, t'a présentée avec Christ, qui est l'époux de cette église. Non, vierge là gagne plusieurs dimensions. Et il y a des vierges pures, il y a des vierges souillées. L'église Paul a présenté à Christ là, non seulement vierge, mais le pur, des parents vierges souillées. Oui, il y a une différence énorme entre une vierge pure et une vierge souillée. On est capable de vierge, mais toutefois, les souiller par certaines actions sexuellement déréglées. L'Église Paul voulait offrir à Jésus-Christ là, c'est une vierge pure, nous dit-il. Dans Isaïe 23, 12, il même parlé de vierge déshonorée. Donc, nous avons parlé là, en langage spirituel. Et c'est de ça la Bible a parlé tout. Et a traité avec des vierges spirituelles. C'est-à-dire des vierges qui représentaient l'Église. Il y a des vierges pures, il y a des vierges souillées. Évidemment, il est important pour nous parler de la prostitution spirituelle, parce qu'il a parlé d'Église. Dans Osée 5, verset 1 à 3, il dit « Écoutez ceci, sacrificateur, sois attentif, maison d'Israël. » Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse.
parce que vous avez été un piège à Mitzpa, un filet tendu sur le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm, Israël ne m'est point caché, car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Donc Ephraïm, tout non prostitué, mais Israël même les souillé tête li. Les deux types de vierges dans ce verset, les vierges pures et les vierges impures. Bon, ici, il y a particulièrement nos gains prostituées de préférence et vierges et souillées. Nous allons continuer pour nous montrer dans cette même Bible. Et ça nous l'a dit là. Eh bien, dans le domaine naturel, en prostituée, c'est une femme qui a mené affaire avec plusieurs hommes dans le motif là pour tirer des choses de eux-mêmes. Et Paul, le Saint-Apôtre du Seigneur, va nous dire en Corinthiens 6, verset 15 à 17, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Loin de là, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, soit attaché ou à l'Église, qui est dans la prostitution spirituelle, ou faire un seul à un prostitué, ou venir tourner membre en prostitué. On a parlé là spirituellement. Donc, on l'Église qui est dans la prostitution, c'est l'Église qui gagne des doctrines et des credos et des dogmes qui sont contraires à la parole de Jésus-Christ qui est l'époux. Ce sont l'Église qui a livré tête-li avec des autres hommes qui ne sont pas Christ. Ou elle est dans ce même livre d'Osée, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Pourquoi? Parce que le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Donc, où est là, la prostitution du pays dont il est question ici n'est pas la prostitution naturelle ou physique. C'est la prostitution spirituelle, c'est-à-dire yo tombé dans l'infidélité par rapport à l'Éternel qui bon Dieu yo a, dans adorer faux Dieu, dans appliquer des préceptes que l'Éternel pa baille. Parce que c'est ça l'esprit de l'Éternel, voilà reproché dans le 4e chapitre même livre Osée, à partir de verset 12 et verset 15, il dit mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et il se prostitue loin de l'Éternel. Donc, peuple là, comment le prostituer tête li selon ça? L'esprit de Dieu dit nous là, c'est en consultant son bois. Donc, il prend bois, il fait le tourner Dieu, il prend bâton, il a parlé avec lui. Et il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sur les chênes. Les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable, c'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Si tu te livres à la prostitution Israël, que Judas ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth Aven et ne jurez pas l'Éternel est vivant. Donc, ouais que les clairs, Bible a parlé d'une prostitution spirituelle que Israël était tombé. La prostitution spirituelle gagne deux niveaux. Gagne l'idolâtrie, noté où en l'air, et consulter les idoles qui pas gagne mec pas gagne pied pour marcher
ni toucher quoi que ce soit qui pas gain bouche pour parler. Mais il y a un second niveau à la prostitution spirituelle. C'est une église qui pratique des doctrines de démons. Et on a parlé des doctrines. La Bible a parlé, et c'est de doctrine strictement on a parlé. Deux niveaux de prostitution spirituelle. Tout d'abord, l'idolâtrie, consulter des idoles, des faux dieux. Et deuxièmement, des doctrines de démons. On l'église capana, première sorte de prostitution spirituelle là. C'est-à-dire qu'il y a un bout de bois ou à mettre à genoux devant le soleil et la lune. Mais lorsqu'il y a des doctrines de démons, ça vient faire de haut et on prostitue spirituel. Et quelques exemples dans la doctrine de démons. Dans 1 Timothée 4, verset 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bon, ouais, c'est pas expression par nous. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Maintenant, c'est quoi doctrine de démons, ça y est, frère Paul? Verset 3, répondons-nous. Prescrivant de ne pas se marier. Donc, en doctrine qui prescrit pour ne pas marier, Paul mettait l'église ça dans la liste de pratiquants, doctrine de démons, yo, prescrivant de ne pas se marier. Parce que la Bible a dit déjà, dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu n'a pas révoqué parole ça, parole éternelle. Dieu n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour l'église qui relaie l'éternel bon Dieu, a prescrit pour ne pas marier. C'est une doctrine de démons, prescrivant de ne pas se marier. Non seulement ça, son doctrine de démons, mais aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, une doctrine qui dit que vous ne devez pas manger tel bagaille, vous ne devez pas manger telle viande, c'est une doctrine de démons. Parce que l'Ancien Testament, qui était l'ombre du Nouveau, a gagné une prescription ça pour Israël. Mais dans le Nouveau Testament, et la réalité a venu, qui c'est Christ, eh bien, on ne l'a pas une place là encore. Et si on tape pas le monde, et ou bien on tape le monde à venir, et puis c'est l'ombrage là, ouais, ou à forcer pour ouais, selon l'ombrage là qui est lié, mais les monde n'a vienne visible. Si on n'a pas là avec ou, et pour tuer tête ou dans l'ombrage là, tout pour ouais qui est, on tape du gros problème dans tête. Donc si réalité a venu, li accompli ombla, ou pas capable à garder à ombla pendant réalité a devant vous contempler. Égal cette doctrine de démons qui est prescrit dans le Nouveau Testament qu'il y a certains aliments qu'on pas doit manger et l'esprit de Dieu dit à l'apôtre là et aliments que Dieu créé pour prendre avec action de grâce comme fidèle et qui connaît la vérité, voyez-vous. Donc dans Colossiens 2 verset 16 à verset 23, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, vous n'avez pas le droit de juger au monde pour ça la manger, boire. Ça va gagner à ouais avec Namli. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Retournez sur verset ça, tantôt si Dieu veut. Là, on a parlé du sabbat. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas,
ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, liste de choses, Paul dit en l'air, il n'y a pas de pièce mérite et c'est seulement la chair qui est satisfait. Ouali, c'est-à-dire jugement au sujet du manger ou du boire, au sujet d'un fête, nouvelle lune, sabbat. Paul dit c'était l'ombrage bah, qui était pour venir. Voyez-vous? Donc, les écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Donc, des aliments qui n'ont servi de rien, ce n'est pas en manger qu'à approcher nous puis prier Jésus. Ce n'est pas en manger tout qui est capable d'éloigner nous, puis loin Jésus. Et c'est ça que fait Jésus dans Matthieu 15 là-bas. Il dit, mon yo, hypocrite, il a été bien prophétisé sous nous, que peuple ça l'a honoré avec bouche, mais que loin. C'est pour grand merci à honoré, pendant à enseigner des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ouais, les disciples ont questionné mettre là, sur qui ça va et ça va les dire. Et il y a honoré l'en vain. Et li, dans verset 11, Matthieu 15, là, il dit, ce n'est pas ça qui entre dans la bouche qui souille le monde, mais c'est ça qui saute dans la bouche qui souille. Et puis après la parole, il dit, expliquez-nous pas ça. Jésus dit, nous-mêmes, tout, nous pas intelligence. Nous pas comprendre que ça qui entre dans la bouche, là, l'en vain, et pour jeter dans les lieux secrets. Là, nous connaissons qui ça lui secret. Parce que l'offre de manger, là, l'en vend tout, l'offre de digérer, ou connaît qu'on met il. Mais, mettre l'a dit, c'est ça qui a sauté dans la bouche, qui saute dans le cœur, c'est lui-même qui a souillé. Où est-il? Donc, il y a une liste de choses là, dans verset 19, là, comme exemple. C'est pas ça qui a mangé avec souillé, mais c'est pas ça qui a entré dans la bouche avec souillé. Mais c'est ça qui a sauté dans la bouche qui souille. Les pharisiens ont une fausse doctrine, même sous question ou pas qu'ils doivent manger son palavé même. Ouais, donc, et toutes ces choses-là, et mettre la dénoncer, ce sont des doctrines de démons qui induisent l'Église, qui entrent en l'Église, qui conduisent l'Église dans la prostitution spirituel. Donc, nous te sous mot vierge là. Nous allons aller plus vite. On vierge, récapitulons un petit peu. On vierge, et c'est en l'église. Et le capable, on vierge pur. Le capable, on vierge souillé. Et comment le souillé? Le souillé par fausse doctrine. Le souillé par des doctrines humaines. Le souillé par des credos humains. Des préceptes humains. Eh bien, on l'église capable vierge, mais malgré le vierge là, il souillé. L'église, Jésus-Christ a venu chercher, hein? C'est la vierge pure que Jean-Paul dit là. Ce n'est pas la vierge souillée. Deuxième bagage dans la parabole, nous t'ai traité là, c'est lampe. Ce qu'elle dit, le royaume des cieux, l'y a semblé. Donc, nous besoin qu'on ait compréhension, nous besoin gain compréhension claire, symbole ça yo parce qu'elle parlait du royaume de Dieu. Nous sommes trois vierges, deuxième symbole nous gain c'est lampe. L'écrit dans Somme 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc parole là c'est lampe. Nous prend loin puis devant parce que nous gain ça là comme symbole l'huile. C'est parole là c'est lampe. Qui ça l'huile là yé. Si ou gen lampe, mais ou pa gen l'huile nan lampe là, ou pa ka bay lumière, fok ou gen ni lampe et fok ou gen lumière.
Ces vierges folles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas d'huile en réserve qui était prend. Ouais, donc, avoir seulement la lampe, c'est avoir la parole. Et même Bible là, tout le monde dit, presque toute l'église d'où Jésus a retourné, Jésus a venu chercher pour aller dans l'enlèvement. Tout le monde qui verset, tout le monde qui connaît la Bible là, tout le groupe a parlé de Jésus qui vient pour retourner. Puis, fort l'église a parlé du retour de Jésus-Christ. Donc, tout le monde a l'emploi, parce que c'est dans l'emploi ça écrit, c'est dans la Bible là qui parle de Jésus-Christ qui vient pour le retourner. Toute l'église a parlé de ça. Mais qu'on y a, gen l'emploi pas suffit. Parce que quand voix li tonne, si pas gen l'huile, malgré gen l'emploi le pas clairé. Avant nous arriver dans l'huile, nous voyons que nous gen mot fol là, n'a commencé par sauter certaines portions des Saintes Écritures, n'a juste barouyo, 1 Corinthiens 3 verset 18 à 21 et 1 Corinthiens 1 verset 21 à 29. Dans verset ça, il parle de la folie de Dieu et de la sagesse des hommes, de la folie des hommes et de la sagesse de Dieu. Donc la folie des hommes et ce sont les choses du monde et la folie de Dieu. Et Paul dit dans une portion ça que la sagesse de Dieu et les plus grandes que la folie des hommes. Dieu choisit les choses faibles, la folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes. Donc, on l'église qui est folle selon bon Dieu, c'est on l'église qui est riche à connaissance monde-là, qui est riche à penser monde-là, mais qui est pauvre dans la sagesse de Dieu. Donc, ces vierges, ces églises, ils ont l'église certes, mais ils ont été remplis de connaissances monde-là. Ils n'ont pas été remplis de révélations. Ils ont été folles pour bon Dieu. Mais l'église qui est sage pour bon Dieu, hein, c'est l'église qui est fou pour monde-là. L'église qui est sage pour monde-là, qui a attiré des païens, qui sont restés des païens, c'est l'église sage qui vieille folle pour mettre là. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Ouali, la vierge sage, c'est l'église qui a marché uniquement avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait le grandir dans la crainte de Dieu. La différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que il y a une qui gagne la sagesse de Dieu qui est considérée comme folie pour le monde là, et il y a une qui gagne la sagesse du monde qui est considérée comme folie dans Dieu bon Dieu. Et tous ces diplômes qui évidemment éloignent de Christ par enseignement antiscripturaire que yo bay, c'est la sagesse de la théologie, c'est la sagesse des hommes, mais la folie de Dieu est plus sage que cette sagesse, c'est la croix, Christ crucifié, annoncé au monde mourant pour sauver eux, pour baptiser eux, pour sceller eux, pour remplir eux du Saint-Esprit, pour qu'on épouse prête pour la gloire. Cinquième élément dans ce symbole-là, nous sommes sages, avant nous étions folles, et avant folle, nous étions vierges, nous étions lampes. Et avant lampe, nous étions vierges. Maintenant, le cinquième élément, c'est l'huile. Selon Exode 17, verset 8, l'huile représente l'onction. Tu prendras l'huile d'onction. Il y avait l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Et maintenant, la Bible dit dans 1 Jean 2, 27 aussi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Voyez-vous, c'est onction ça qui enseigne nous d'ailleurs. L'écrit dans 2 Corinthiens 3 verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc lettre là sans l'esprit l'a tué, l'emplace en lui là. Le Saint-Esprit est représenté dans la parole de Dieu
par l'huile. Lampe là sans l'huile là, ces paroles là sans l'esprit qui est écrit là, qui a fait que ou mal comprendre lui, ou mal interpréter, et prend un baptême trinitaire de titre, pendant que toute Bible là, unique baptême chrétien qui gagne, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vierge folio, yo te gen parole là nan men yo, te gen Bible nan men yo, mais yo pas gen le Saint-Esprit, que c'est l'huile nan lampe là, qui pou fè lampe là bay lumière, pour un côté ou ap mette pied yo. Que Dieu soit loué. Eh bien, faut remarquer aussi que vierge folio pas entré. C'était bon l'église qui croit dans sainteté, qui compte bagay monde là. Des gens qui retirent du monde, qui pas participer dans œuvre monde là, mais toutefois, yo pas gagné le Saint-Esprit. Ce sont des vierges folles. Les vierges folles, c'est ensemble de croyants dans le système l'église de yo et qui a cherché bon Dieu certes, qui éloigné des choses du monde certes, mais pas gagné la lumière du Saint-Esprit pour éclairer pied yo, pour appliquer parole là, Jean l'Esprit de Dieu voulait qu'il applique. Observez bien que c'était un sommeil généralisé. Les vierges sages t'ont dormi, les vierges folles t'ont dormi, mais qu'on voit qui criait au milieu de la nuit, qui annonçait venu et pourra. Voir ça réveiller tous les deux groupes vierges, les réveiller ni vierges folles, ni vierges sages. Donc, tous les deux, il y a un mouvement qui fait la caillou. Il y a un réveil chez les vierges folles, pendant qu'il y a un réveil chez les vierges sages. Toutes les vierges se réveillent. C'est un temps de réveil. Mais c'est seulement l'Église qui a Saint-Esprit qui a entré dans la salle des noces là avec les pouvoirs. Donc, pour entrer dans la salle des noces là, il faut que premièrement, où sont vierges sages. Deuxièmement, autant de voix qui annoncent venu et pourra. Et troisièmement, on gagne l'huile dans l'ampe. Et sous son vierge sage, on a automatiquement gagné l'huile là. On a gagné l'huile de réserve. Voyez-vous, toutes les vierges sont réveillées, mais c'est seulement ça que tu es prête qui est entré. C'est ça que tu es préparé. L'épouse est elle-même préparée. C'est ça que tu es préparé qui est entré. Le système établi par l'homme, li respecte tête li, l'homme on gon l'école. Pour élève l'école là, faut qu'on inscrit, faut qu'on paye soit de payer, frais entrée, etc. Ou gen uniforme ou vin l'école. Ah, mais si bon Dieu qui créateur, li pa ta ka gen programme li, ou pa respecte programme nan et puis le konn quand même. Et ça fait vieille folio, bon Dieu pa konnen yo. Ou li li écrit dans Apocalypse 14, verset 3 à 5, mais il dit, il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés dans tous les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Nous, les 54 000 et les 12 000 de chaque tribu en Israël, ce ne sont pas des gens des nations, ce sont des Juifs. Les 54 000, on a parlé de ça également en leur. Les 54 000, il dit que yo pas souillé tête avec des femmes et yo vierge, c'est-à-dire yo pas souillé tête avec credo humain l'église yo vierge par rapport aux doctrines de démons et yo c'est prémisse bon Dieu pour l'agneau. Ouais, donc pas oublier pour entrer avec et pour dans la salle des noces là, faut que son vierge sage. Deuxièmement, il faut qu'on entende voix dans verset 6 là, qui crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous, ouais, pour Jésus, ou te fait partie de groupe Léa, il faut qu'on te recevoir le ministère de préparation de Jean-Baptiste.
Et faut qu'on entende des voix qui a crié dans le désert, qui te dit préparez le chemin du Seigneur. Donc là fini et tendez message Jean-Baptiste là, les préparer cœur pour Jésus-Christ. Et si on pas dans message Jean, les Jésus vient pas même connaître pour qui ça? Parce que c'est seul Jean qui a un signe là. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit celui sur lequel tu vois descendre le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, c'est lui qui vous baptisera de feu et d'esprit. Et son verset nous lit quelque part dans tête nous là, il écrit dans la Bible là, évidemment. Et donc, pour te connaître si là, qui a baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu connais Jean, parce que c'est Jean qui a un signe, les gens dans le désert. Les dieux commissionnels, les balions signe pour le reconnaître Messie. Pas de monde qui parle dans le message Jean pour reconnaître Messie. Parce que si elle n'a pas mandaté ni deux, ni trois, ni quatre, mais elle mandaté seulement Jean-Baptiste pour préparer le chemin Seigneur. Donc, si pas dans le message Jean-Baptiste, là, le message de préparation, et les messias venus sur la terre, ou pas connaître parce que c'est seul Jean qui gagne signe. N'a pas parlé de bail en détail, n'a pas parlé du programme de Dieu pour la terre. Donc maintenant, si on part avec Jean, on pas capable avec Jésus parce que c'est Jean qui connaît qui est Jésus. Même Jean tout son partant de voir Matthieu 25 verset 6 là. Qui dit au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre, et qu'on gagne le Saint-Esprit dans l'amour, ou pas même, ouais, Jésus-Christ, l'elle retourne venir chercher l'épouse-lui. Observez bien, les vierges folles ne sont pas entrées. Les vierges folles, y'ont pas perdu, y'ont pas le bail sang, y'ont terriblement, pas mourir d'une mort affreuse et atroce dans grande tribulation. Mais il n'y a pas pris marque de la bête. Un sujet qui n'a pas parlé très bientôt, si Dieu veut. Il n'y a pas pris marque de la bête, mais il y a un propre sang paillot dans la grande tribulation et il y a sauvé à travers le feu. Il n'y a pas perdu, mais il n'y a pas jamais entré dans l'os là. Il n'y a pas jamais entré dans la grande ville là. C'est Madame Maria, épouse vierge pure, vierge sage là, qui a entré avec Jésus-Christ. Maintenant, qui côtoie aujourd'hui, hein, ou même Captain Dem, est-ce que vous êtes vierge pure? Est-ce que vous avez une doctrine de démon que le Saint-Esprit dénonce là, yo, dans l'église où vous êtes? Est-ce que vous êtes vierge souillée par cette doctrine? Ou bien est-ce que vous êtes prostituée spirituelle? Il y a trois niveaux, c'est à ça que nous avons privé tout à l'heure dans le verset noté là. Il y a trois niveaux, il y a trois dimensions. Il y a la vierge pure, deuxièmement, il y a la vierge souillée, et troisièmement, il y a la vierge prostituée. La prostituée sera brûlée dans le feu. La vierge souillée pour aller dans la grande tribulation, la Bible, mais elle n'est pas perdue. La vierge pure, pour aller dans les noces de l'agneau. Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'on fait partie? Est-ce qu'on sont membres dans la prostituée? Ou bien, est-ce qu'on sont membres dans la vierge folle? Ou bien, est-ce qu'on sont membres dans la vierge pure? Ou bien, vierge sage? À vous même pour juger. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et qu'il continue. Qu'elle continue à illuminer l'esprit pour capable de voir côté où mettre pied. Shalom.